Top, yes. Ça y est, antéméridien franchi, à une belle étape. Hi birds, what are you guys doing here? Sadly, so many. Les premières terres depuis 40 jours. Mais pas grand chose d'autre et ça bouillonne un peu par contre parce qu'il y a des hauts fonds là. C'est un peu flippant, je vous avouerai en fait. Et bientôt le Pacifique, on va voir s'il est vraiment pacifique. En attendant, encore 2 jours comme ça et après on a la fameuse zone à traverser un peu chaudard. Hein. Avec le prêt et tout, on va voir. De toute façon, faut pas aller trop vite là. Ah, ça va, on n'entend pas, j'ai Michel Sardou au taquet à l'intérieur là, alors. Oh là, c'est super. Oh là 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 là, ah, ça envoie du steak là. Bonjour à tous, deuxième montée, troisième montée en fait, deuxième sous l'île Macquarie. J'espère que vous apprécierez le paysage parce que moi je déteste ça. J'ai essayé de nuit, j'ai pas réussi, je viens de réessayer. Ça a marché, on est au bout de l'île. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. En fait, comme je viens de franchir l'antéméridien, et ben maintenant il est 10h20 dimanche. Donc j'ai droit à un deuxième dimanche. Voilà. Moi j'ai une petite mission, c'est de nettoyer ma casserole en inox qui est toute brûlée. Et voilà le résultat de l'argile. Donc maintenant on va descendre sans se casser la figure, on va renvoyer la JV et on va allumer pour rentrer au sable tout de suite.